J'en ai marre de ce une semaine punie. 24 heures avec un militaire complètement fou. C'est bon, j'en ai marre. Ça, c'est horrible de nettoyer les toilettes. Troisième jour, les amis, du une semaine punie. Aujourd'hui, je leur réserve une petite surprise. Toute la journée, là c'est le matin, toute la journée, vous allez voir ce qui va leur arriver. Je suis en train de me préparer. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. C'est parti. Oh là là, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui avec papa? Ça me donne pas envie de partir de ma chambre. J'ai même envie de m'enfermer toute la journée. J'ai peur de ce qu'il nous prépare. J'en ai marre de ce une semaine punie. Il reste plus que 5 jours encore. C'est trop long. Oh là là. Et voilà. On est prêt. Alors les amis, je vous annonce aujourd'hui 24 heures à l'armée avec un militaire complètement fou. Eh oui. Aujourd'hui, elles vont faire beaucoup de sport, elles sont pas prêtes. Elles vont frotter, TIG, travaux d'intérêt généraux. C'est parti. À mon avis, elles vont être choquées quand elles vont me voir. Allez, on y go. Eh oui, troisième jour, 24 heures avec un militaire complètement fou. Et le militaire, c'est moi. Allez, aujourd'hui, c'est bien que tu sois en tenue de sport, parce que tu vas faire beaucoup de sport, tu vas frotter, tu vas... C'est l'armée. Ouais, ma tête, allez, viens. Allez, viens. Allez, on va aller chercher ta soeur. Hop. Et c'est quoi ce sifflet? C'est quoi ça? Aujourd'hui, t'es pas prête. Qu'est-ce que t'as mis sur ici, c'est l'armée. Alors, aujourd'hui, vous allez faire 24 heures avec un militaire complètement fou. Non. Si. Une semaine punie, troisième jour. Allez, viens avec moi. Venez avec moi dehors. Elle est bizarre, ta tête. Oui, oui. Le masque. Allez. Allez. On se met derrière moi. Comme ça. Et on me suit. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Allez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez courir, faire le tour de la maison. On va faire la course. Tu fais pas la course. Si j'étais toi, je ferais les choses doucement parce que tu vas être très fatigué en fin de journée. Allez. Allez, on court. Voilà. Moi, si j'étais elle, je me précipiterais pas comme ça parce que elles vont pas courir qu'une fois et vont pas faire qu'une fois le tour de la maison. Non, par là-bas. Le tour de la piscine là, ah c'est trop facile, on coupe là, allez. Vous voyez, c'est ça quand on enferme son papa, 24 heures dans la prison. Eh bien regardez, ce n'est que le troisième jour, attendez. Elle est où l'autre? Elle court. Non, elle court pas. Elle s'est arrêtée. Je sais pas. Va la chercher, dépêche-toi, dis-lui. Non, repasse par là. Tu refais un tour. Allez. Ah. Allez là, allez là, allez là, allez là. Stop, viens ici. Allez, viens ici. T'étais où? Pourquoi tu t'es arrêtée? Pourquoi tu t'es arrêtée? Je me suis arrêtée. Parce que. Allez. Les chaussures, elles étaient. Ah, les chaussures, elles étaient tombées. Ouais. Va là, dans l'herbe. Allez, viens, toi aussi. Allez. Je suis fatiguée. T'es fatiguée? Ouais.
Vous allez faire des pompes. Vous vous mettez comme ça. Comme ça et vous faites comme ça. Une, deux, trois. Jusqu'à ce que je vous dise. Allez, on se met en place. Allez. Une. Allez. Deux. Aïe. C'est quoi ces sportives là? Alors les reines des bêtises, ouais. Parce que... Allez. Avec les bras. Je t'ai montré, non? Comme ça. Tu te mets bien comme ça, comme ça. Ok. Hop. Hop. Voilà. Allez, non, 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 c'est quoi ça? Allez, on baisse son gros popotin. Comme ça? Bon, vu que vous voulez pas faire, vous êtes nul en sport, on va aller chercher le balai, vous allez frotter. Non, non, non. Travaux d'intérêt général. Je suis trop forte dans le sport, juste les pompes, c'est pas mon truc, mais je peux faire. C'est quoi qui est ton truc alors? Squat. Squat? Allez, on fait des squats. Allez. Squat. Suis ta soeur, regarde, comme ça, squat. Allez. Je sais pas. Maintenant, on marche comme les canards. Allez, à la queue leu-leu, vous marchez comme les canards. Allez, non, non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Comme ça. Allez, allez, les petits canards. Allez, 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 allez. Allez. Non, on fait le tour. On fait le tour de la maison. Faites le tour de la maison, canard. Oh non, 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 non. Allez, arrête. Je vous attends ici. Elles sont allées un petit peu trop vite à mon goût. Eh, vous avez fait le tour de la maison de canard? Oui. Vous avez marché là, quand je vous voyais pas. Non, on a fait canard. Canard? Oh, on a fait canard. On regardera dans les caméras, on verra s'il y a canard ou pas canard. On peut se lever? Allez, levez-vous. Petite pause de 10 minutes. Yeah. Et je reviens, on va reprendre, d'accord? Ok. Bon, on va les laisser se reposer encore 5 minutes et après, elles vont nettoyer les WC. C'est comme ça que ça se passe à l'armée. A few moments later. Bon, c'est bon, hein? Les 5 minutes sont terminées. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es habillé comme... Pourquoi t'as tes télés comme ça? Parce que je vois que t'as mis les bonnes couleurs en plus. Les mêmes que moi. Regardez. Pourquoi t'es comme ça et je m'entends siffler? Avec du vert, du marron et du noir, le camouflage. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est le troisième jour d'une semaine punie et que aujourd'hui, j'ai décidé de faire 24 heures avec un militaire complètement fou. Voilà le militaire. Non, mais tu exagères. T'es parti vraiment trop Non, 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 non. Elles ont déjà fait plusieurs fois le tour de la maison, des exercices, prépare-leur un bon repas, à midi, là, parce qu'elles vont avoir besoin de force. Hein. Voilà. T'as vraiment exagéré là. Non, j'ai pas exagéré, allez. Toi aussi, fais attention, parce que tu risquerais d'être puni aussi une semaine, toi. Parce que tu commences à m'énerver. Allez. Allez, allez. Allez, venez. Ça y est, les 5 minutes de repos, c'est terminé, venez ici. Allez, elle est où, Mas? Allez, venez. Allez. Il y a maman qui vient de rentrer. Bon, elle était choquée un peu, mais c'est pas grave. Allez, vous savez ce que vous allez faire maintenant? Attendez, rentrez, je vais vous le dire. Vous allez pas être contente. Alors. Non, tu vas être contente, là. Tu vas voir ce que je vais leur faire. Tu vas être contente, tu vas être contente. Alors, les filles, je vous annonce que là... Que c'est inclus dans le programme du 24 heures avec un militaire complètement fou. C'est comme ça que ça se passe à l'armée. Vous allez nettoyer les WC et les douches. Et si, et si. Alors toi, tu vas nettoyer les WC de ta chambre et toi les WC de ta chambre. Allez, dans cette direction là. Et toi, dans cette direction là-bas. Allez, Mas.
ça, je suis d'accord. Ah. Avec les dames qui ont nettoyé leur toilette. Regardez, elle a mis le voile assorti au militaire. Allez, on nettoie les WC. Non. Allez. Tiens. Allez. Une éponge, tu prends du papier toilette. Toi, celui-là. Tu nettoies les WC, la cuvette, voilà. Sous la cuvette. Tout bien. Tout bien. La douche. Parce que j'en ai marre de faire ça moi. Et encore ça va. Hein. Franchement, c'est déjà propre. T'as de la chance. Hein. Franchement, c'est pas le plus beau des papas. Non. Il est propre. Hein? Surtout ça. Chaque fois que vous brossez les dents, vous laissez. Il est pas propre comme ça. Non. Ah là 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 là. Allez, on va aller vérifier ce qu'il fait le petit moustique là-bas parce que elle, attention. Hein. On la connaît. Cam, il faut laver. Oh, qu'est-ce qu'il fait déjà ? C'est pas comme ça. Ça. Avec la brosse. Eh oui, comme ça, ça va vous apprendre un peu. C'est ça qu'il faut aux jeunes de nos jours. À la place de regarder la télé, regarder les vidéos, ouais, là. Trop méchant. Qui? Toi. Moi, trop méchant? Ouais. T'inquiète pas. Allez, je vous laisse 30 minutes. Je vais venir vérifier à la fin si tout est bien. Et vous inquiétez pas, je vais venir avec un coton-tige. Si le coton-tige est sale, c'est fini pour vous. Oh là là, ce 24 heures puni, c'est le pire. Oh, ça c'est horrible de nettoyer les toilettes. On fera plus jamais, on n'enfermera plus jamais papa. C'est bon, j'en ai marre. A few moments later. Bon allez, j'arrive. Alors, mademoiselle, WC prêt? Oui. Allez, on va vérifier tout ça. Et les petites traces là, c'est quoi? C'est de l'eau qui est tombée? Oui. Ah, ça va sécher, c'est rien. On vérifie tout bien. Ça m'a l'air plutôt propre. Ah, il y a encore du savon, hein, qui coule là. Ça, normalement, faut l'essuyer. Ah, allez, essuie-moi ça. Là. C'est bon, ça se voit que ça a été nettoyé. Là. Oh, comme il est beau. Voilà, c'est ça que... qu'on veut. Bon, c'est bien. Ça va. Allez. On va aller vérifier l'autre soldat. L'autre soldat, Camilia, j'arrive. Alors, pourquoi je siffle? Parce que c'est comme ça. J'ai pas le droit, alors enlève-toi de là. Mets-toi sur le côté là. Mets-toi là. Là, voilà. Le tapis, il doit être droit. Ça doit être carré les choses, comme ça. Là, c'est pareil. Le tapis doit être comme ça. Et comme ça. Les choses carrées. Voilà. Ah, t'as oublié le torchon. Allez, prends le torchon. Voilà, allez. Sors-toi de là, comme ça je vérifie la douche, tout ça. Mais sinon, c'est pas trop mal. C'est plutôt bien. Voilà.
comme ça. Allez, c'est bien. Allez, oust, dehors. Pourquoi dehors? Parce que t'as fini. Allez, c'est fini. La lumière. Oh. Alors. Ouais. Ah, le torchon ça sur la table. Ouais, le torchon. Eh oui. Ah, vous avez trop la belle vie, vous. Ça, c'est vrai. Eh oui. On va modifier tout ça un petit peu. Bon, vu que vous avez bien travaillé, je vous laisse encore une pause de 10 minutes. Et je reviens. Mangez une petite clémentine, ça vous fera du bien, il faut de l'énergie. Allez. Parce qu'il vous faudra de l'énergie, vous avez besoin d'énergie. Eh ! Le militaire demande un thé. Moi aussi, il me faut de l'énergie. Un thé. Jamais de la vie. Un thé, ça fait pas de l'énergie, monsieur. Si, ça fait de l'énergie. Je veux un petit thé. A few moments later. Bon, prochaine étape. Étape suivante, les amis. Elles se sont reposées même peut-être 15 minutes. Ça suffit largement. C'est même plus que ce qu'il faut. Allez, venez avec moi. Venez avec moi dehors. J'ai deux seaux. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez faire. J'ai une petite mission pour vous. Eh. Ah, papa. Y a pas de papa. C'est mon adjudant. Alors, Camilia, tiens, toi tu prends le grand seau. Voilà. Toi tu prends le petit seau. Il est tout petit? Il est tout petit. Mais t'inquiète pas que. Vous voyez ces feuilles là. Toutes les petites feuilles blanches là. Eh ben je veux pas vous revoir jusqu'à ce que le seau ne soit pas rempli. Ah. Toi t'es plus grande, donc un plus grand seau. Allez, on ramasse les feuilles. C'est comme ça. Allez, allez. On va pas y passer toute la journée. Les conspètes sont fous. Oh ma belle. S'il te plaît, papa, pardonne-nous. On fera plus jamais de bêtises. Je vous fais plus confiance et je vous crois plus. Vous m'avez laissé mourir de froid. Avec une banane. Regardez ce que je suis obligé de faire. Me mettre en militaire complètement fou pour vous punir. Tu crois que ça m'amuse, moi, ça? J'avoue, ça m'amuse un petit peu. Moi, j'aime bien. T'aimes bien, toi? Moi, j'aime bien. Ah, ben regarde. Tu vas plus aimer. Allez, on recommence. On n'est pas là pour rigoler. Merci. Allez. Je vais faire une petite sieste et je reviens une fois que vous avez terminé. Allez, bye bye. A few moments later. Je vais dire à papa que j'ai presque terminé. Déjà? Ouais, mais tu peux m'en mettre un peu dedans? Ok. Merci, t'es trop gentil. Papa, j'ai fini. Papa. Mais il dort. Tu sais,
te rappelles lorsqu'on peut regarder la télé? Ouais. Sauf que il va être énervé parce que j'ai pas fini. Et je te remets tout, ok? Ok. Bah si tu es prête. Oui. Mais après tu vas m'aider pour ça. Ok. Parce que moi il est plus grand. Ouais. Oh, je t'en prends un peu, ok? Ok. Ah maman, est-ce, s'il te plaît, maman, est-ce qu'on peut regarder la télé? Oui, parce que papa il dort. Vous avez déjà terminé ce qu'il vous a demandé tout à l'heure? Non. Ben, mais il dort et après on aura le temps de faire. Faites ce que vous voulez, moi c'est pas mon problème. Yeah. C'est lui qui doit surveiller. J'espère que elles sont en train de travailler. Il y a les seaux là-bas, elles sont pas en train de travailler. Où est-ce qu'elles sont? Elles vont, elles essayent de m'arnaquer encore, hein, parce que j'ai fait une petite sieste. Bon, je crois un petit peu longue quand même. Où est-ce qu'elles sont? Ah! En train de regarder la télé. Pris la main dans le sac. Eh, mais vous êtes sérieuse là? Eh, vous êtes sérieuse? C'est quoi ça? Les chats chatrouillent. Et toi, tu les laisses faire. Tu les laisses faire, toi. C'est pas ma faute. Pas croyable, ça. Allez. Elle est où, là? J'ai pas le droit de faire une petite sieste? C'est le repos du guerrier. Maman, elle nous dit « Fais ce que vous voulez ». Maman, moi, je suis en train de dormir. Pose la télécommande. Allez, allez, finir de ramasser les feuilles. Allez, oust. Je parle chinois ou je parle truc, là? Allez, allez. Allez, tu t'es endormi, toi aussi? Allez, allez. Ah oui, les chaussons. Mettez les chaussons. Allez, mets les chaussons. Non, non, il n'y a pas. Tu m'endors pas, moi, je t'adore pas. Allez, mets tes chaussons et sors. Mais va, papa, va. Je t'adore, s'il te plaît, c'est gentil. Non, 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 Camilla, je rigole pas. Allez, mets tes chaussons et sors. Et je veux les seaux remplis. J'arrive dans 10 minutes, les seaux remplis. T'as compris? Regardez, c'est déjà la fin de la journée. Pratiquement. Hé, hey. J'ai cru qu'elle allait me pousser. Comme dans la piscine. Allez, va ramasser les feuilles. Allez. Je veux les seaux remplis. Vous ramassez les feuilles. Comme je vous l'ai dit. Attends, ton seau est vide. Un tout petit peu. Toi, ton seau en entier. Allez, on se dépêche. Je reviens dans 10 minutes. Et c'est moi qui viens, mais... Dans 10 minutes, je reviens les deux seaux. Dans 10 minutes, je reviens les deux seaux remplis. D'accord? Allez. Les feuilles qui sont par terre, pas les feuilles sur les arbres. On n'arrache pas les feuilles sur les arbres. Les feuilles mortes. Allez. C'est pas possible! Ces enfants, ils écoutent vraiment rien! A few moments later. Bon, là, comme c'est bon, on a assez ramassé, je vais aller appeler papa. Attends, attends! Pourquoi attends? On prend pas les seaux? Non, 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 c'est bon. Vas-y, je vais avec toi. Papa, on a fini? Je viens vérifier ça tout de suite. Allez, sortez de là. Bon, c'est bien. Deux seaux remplis. Hein? On peut le jeter? Ben non, tu, si tu le ramasses, c'est pas pour le jeter. Et on va faire quoi? Vous le laissez comme ça, je vais m'en occuper, moi. Et il est toujours là, lui. C'est votre ami. Ouais, toujours, quand vous êtes à un endroit, il vous aide. Je le vois tout le temps dans les parages. Ouais, parce qu'il nous aide, il nous... Notre complice. Notre complice peut-être, non? C'est un oui, peu mieux. Complice. Parce que complice, d'accord, c'est un petit peu complexe, d'accord? Allez, posez les seaux. Je vais tout renverser. Et suivez-moi. À la Camille. De nos Pyrénées jolies, nous avons gardé au cœur. Les vallées et les prairies. Attends.
encore là, toi? Il faut bouger un petit peu. À vos ordres, chef. Je vais te faire faire. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. À vos ordres, chef. Bon, qu'est-ce qu'on leur fait faire de plus? Ben, je vois, ils te suivent dans tes bêtises. Bon, moi, je sais ce que vous allez faire. Vous allez ranger la petite cabane. Et chacune d'entre vous, vous allez ranger votre chambre, d'accord? Elle est déjà rangée. Non, elle est pas rangée. Non, chef. C'est froissé, c'est pas rangé, ça. Allez, on... La mienne, elle est rangée, chef. Va ranger ta chambre, je sais qu'elle est pas rangée. Allez. Allez. Allez, ranger ta chambre. Allez, va ranger ta chambre. Ça, c'est bien pour moi. Ouais, voilà, c'est bien. Eh oui, on va faire... T'inquiète pas, on va faire un 24 heures, ça va être encore mieux pour toi. Elles vont ramasser... Allez, range. Alors, la tienne, elle est rangée, ben on va voir ça. Ça, c'est rangé, ça. Ouais. Eh ben, regarde. C'est comme ça que ça se passe à l'armée. Allez, on range. J'en ai marre, c'est trop. Bon, allez, on passe à l'autre. Une, deux, trois, quatre. J'arrive. Il n'a pas les signes avec moi. Ah, tu vois qu'il n'est pas bien fait, ton lit. Regarde. Hop, attention. Attention, toi. Attention, hop. Allez, il faut refaire le lit. Viens. Oh, allez, c'est comme ça que ça se passe. On refait le lit. Allez. Tu me rappelles quand le lit est fait. Non, mais c'est quoi, ça? Là, vous pouvez dire le papa, il est méchant. Eh oui, c'est trop. C'est pas fini. C'est même pas le soir encore. C'est la fin de journée. Bon, qu'est-ce que t'as, toi? T'es fatigué? T'es fatigué? Bon, allez, reposez-vous un petit peu. Mais je vais vous appeler à n'importe quel moment. Sois sûr de ça. J'attends qu'il fasse nuit, vous allez voir. Allez, je leur laisse un petit peu de repos. Hein? Elles vont manger, mais après manger... Tu les as tués. Activité de nuit. Même à l'armée, elles sont plus gentilles. Non, 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 non. Je viens de penser un truc, là. Il y en a une, elle m'a arnaqué. J'y ai demandé le thé, elle m'a même pas fait le thé. Alors que je lui demande gentiment, je donne des choses aux filles qui lui fait gagner du temps. Hein? Hein? Je parle de toi, là. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis des choses aux filles pour que tu gagnes du temps, qu'elles nettoient les WC, tout ça, etc. Et je t'ai demandé de faire du thé. Pourquoi tu m'en fais pas le thé? Je fais pas le thé parce que t'es méchant avec mes filles. Il n'y a pas de thé. Il y a du thé. Eh ben, si tu me fais pas du thé, je vais te faire pire qu'aux filles. Alors, je veux du thé. Comment ça, pire que les filles? Tu vas voir, t'es pas prête. D'accord? Ah, tu vas me punir quand même? Mais plus que punir. Alors, je veux du thé. Bah, je préfère faire le thé. Hein. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le thé, ça prend 2 secondes. Voilà, allez. A few moments later. Ah, vous regardez la télé? Vous m'avez pas vu, hein? Oh. Oh non, je me suis fait mal au genou. Maman. Ne touche pas, ne touche pas. Maman. Ah, je suis tombé. Je voulais leur faire un prank là. Ah, c'est 2 verres de terre là de malheur. J'espère que t'as rien cassé là. C'est là. Ne touche pas. Allez, c'est bon, donne-leur à manger. Vous partez au lit, vous allez le payer demain. C'est mais bon, je vais vous faire d'autres trucs ce soir. Maman, on lui a rien fait, on l'a aidé lui. Non, vous m'avez pas aidé. Bon, c'est bon les amis, mission terminée. On se retrouve demain pour le 4e jour de la une semaine punie. Et vous allez voir, je leur réserve encore une bonne surprise. Allez, je vais me reposer parce que j'ai mal au genou. À demain. Bye bye.